Hey les gamers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez bien dormi, ou passé un bon week-end, etc. Donc hier j'ai fait deux vidéos de cryptage et tout, mais en plus je buguais beaucoup, vraiment plus que d'habitude. La première vidéo j'avais au moins 800 ping, tant que ça redescend et tout, donc en fait ce qui est bizarre c'est que les vidéos que j'ai faites, je buguais au début et après ça allait, et évidemment la vidéo n'a pas tourné autant que je voulais. Donc j'espère que vous voyez bien où se situe le second endroit. Le problème c'est qu'on peut pas recommencer la vidéo plusieurs fois puisque un coup qu'on a appris le truc, bah il est plus là. Du coup bon, j'espère au moins que ça va vous aider, donc c'est pour ça que j'ai mis une photo, la photo du coup qui est mise sur entre guillemets sur la vidéo et à l'endroit où se trouve, et j'ai fait exprès de mettre la carte à côté pour qu'on puisse, enfin qu'on voit en carte en haut pour voir où c'est exactement, en cas si vraiment vous voyez pas bien la vidéo correctement. Mais voilà, j'espère que ça vous a au moins aidé. Bref, du coup on va également aller à une des du coup des cryptages. Donc on va faire la 47, qui est, attendez, la 47 est ici. Ok, donc en fait la 47, pour beaucoup de monde je pense qu'on voit à peu près où ça se trouve, mais pour ceux qui sont pas encore là depuis très très longtemps sur Fortnite ou pas du tout observateurs sur la map et qui n'ont peut-être pas fait attention, c'est en cherchant notre, du coup un van, donc les vannes il y en a à peu près partout, des rétablissements, un camp de pirates, sachant qu'il n'y a presque plus de camp de pirates, donc ça veut dire qu'il y en a vraiment très peu maintenant qu'ils sont encore là, et un bus de combat écrasé. Alors là il y en a un seul, avant il y en avait deux, il y en avait un vers chaque, mais maintenant il est plus là, donc il reste que celui qui était de base près de du coup de Lazy, alors que maintenant c'est Lazy Lagoon. Donc voilà, donc en gros on va aller en game, j'espère que ça va pas trop bugger. Je vais aller faire un point dès que ça buggera beaucoup moins, parce que j'ai remarqué que quand j'allais en solo et tout ça, je buggais beaucoup plus, donc je vais aller faire un point, peut-être que je buggerai moins. J'espère vraiment que ce soit à mon côté à moi, la zone, et ça me rend jamais un petit peu. Du coup, on va aller in game. Je voudrais vous montrer où ça se trouve. L'emplacement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trop chercher. C'est vrai que beaucoup d'entre vous vont plutôt galérer à chercher parce que si on connaît pas la map par cœur, on va pas savoir où c'est. Le petit crasé, il n'en a pas 36 000. Il n'en a qu'un seul maintenant. Et avant, il y en avait deux. Et maintenant, il y en a un seul. Et les camps pirates, il n'en a plus tellement. Enfin, du moins, là où le fatal, par exemple, il n'y est plus. Les endroits, il y en a qu'il n'y a plus du tout. Moi j'aimais bien y aller au Scott Pirate, il y avait pas mal de loot, maintenant il reste plus que la petite maison quoi, il n'y a plus rien, ils ont enlevé quasiment tout, à part là qu'il y a le bateau de pirate à côté, il y a toujours, mais voilà, tout le monde n'est pas obligé de le savoir qu'il y en a toujours un ici, à côté des pirates, etc. Vu que les pirates sont un peu tous déménagés on va dire. Du coup je bug pas trop, ah ça va, en vrai je devrais faire ça en faisant un point chaque fois, parce que je bug beaucoup moins visiblement. Parce qu'en mode normal, je bug beaucoup plus en vidéo. En plus, c'est même pas de mon côté, donc faut que j'aille là-bas. Attendez. Je vais descendre dans les airs. Du coup, il faut y aller. Le but de combat, il est à peu près par là. Le bar d'information est là. Et le camp de pirate, il est là. Donc, si je me trompe pas, c'est à peu près ici. Au milieu. Normalement, c'est au milieu des trois trucs. Donc, voilà. Normalement, c'est la case. Attendez, si on va voir. Ouais, on va bien voir comment ça ferme. Normalement, ça devrait être à peu près par là. De toute façon, on le voit quand on s'approche du truc. Donc, normalement, ça devrait pas se aussi. Vous mettez n'importe quel skin. Moi, j'ai personnellement, je me suis aussi. Changer un petit peu. Comme j'ai l'évolution en couleur jaune de fille. Plus, c'est côté des méchants, donc j'espère juste qu'ils vont pas. Il n'y aura pas trop de gens. Sinon, ça sera un peu chiant. En ce moment, je me suis planeur là. Habituellement, je me plane dans mon top 1. Comme je l'ai pas encore eu celui de la saison là, j'ai pas encore eu l'occasion de tryharder en fait le mode solo ou session. On a plutôt fait du fond en poigne et du solo pour faire le mode défi. Du coup, alors, le but, vous voyez, il est juste ici, devant nous. Le camp de pirate, il est là. Et le van est derrière là. Donc, normalement, il doit être à peu près ici. Ah bah tiens, on voit d'ici. C'est le truc bleu par terre là. Vous voyez? Le truc bleu qui est juste ici. Voilà. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, il était juste ici. Ouais, sur la carte, vous voyez. Faut pas vous tromper. Il y a un bout de chemin là. Il y a un autre bout de chemin là. Là où il y avait la saison d'avant, il y avait juste ici une bannière, je crois. On sent entre la bannière qu'il y avait la saison d'avant, pour ceux qui ont toutes les bannières, et la petite route là, c'est juste au milieu. De toute façon, il y a un trou d'arbre là.
Donc c'est pas manqué, il a juste un trou d'arme et vous l'intéressez à côté. Voilà, en fait c'est assez facile à trouver. J'espère que ça vous a aidé.